Bonjour à tous, c'est Lindsay Créa. Aujourd'hui, on joue avec le mignon Tom que Letty nous a concocté et ses jolis gâteaux gourmands. En tant que grande gourmande, je ne pouvais pas choisir entre un gâteau ou un autre, alors j'ai fait le choix de ne pas faire le choix. Oui, je suis toujours dans l'excès, mais c'est tellement bon les gâteaux, puis il n'y a rien à regretter. Pas de risque de trop plein de sucre, donc on se lâche. Comme vous avez pu le voir, j'ai tamponné Tom à la Memento car je vais venir le mettre en couleur au feutre à alcool, pareil pour les petits gâteaux. Je colorise le tout et ensuite je viendrai tout découper avec mes ciseaux, mais si vous avez une machine de découpe, Elise propose également des fichiers de découpe pour vous faciliter le travail. Thank you.
Alors, après la mise en couleur et mon petit découpage, je viens faire mon fond avec le tampon Mini Fond 10. J'aime vraiment beaucoup ce tampon de fond, je trouve qu'il s'adapte à beaucoup de créations différentes et il se répète assez facilement, même sans planche de précision. Pour ce fond, j'ai tamponné à la Versafine car j'ai fini de me servir des feutres à alcool et je veux un joli tamponnage noir et fin. Donc la Versafine est parfaite pour ça. Ensuite, je vais tracer un cercle noir, enfin deux cercles noirs pour être précise, mais pas en entier, seulement sur un des côtés de Tom. Ces cercles vont me servir de guidance pour venir placer mes jolis gâteaux. Et ensuite, il ne reste plus qu'à tout coller en mousse 3D pour apporter un léger volume. Sauf deux gâteaux qui seront collés à la colle simple. J'aime bien jouer avec les différents plans. Après avoir tamponné mon sentiment à la Versafine, découpé puis collé celui-ci, je viens ajouter des enamel dots vertes et orange pour encore plus de couleurs et de gourmandise. Et voilà, ma carte est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Bisous !